Ah, c'est comment ça, travailler avec la mafia? C'était... Disons que... m'en tenir à ça, c'est des très bons amis dont faut pas trop que tu parles. Mais ils sont morts aujourd'hui, tu m'en parlais? Bah, ils ont des... Tu préfères... Non, des tu très vois, bons là? Amis. Des j'aime mieux... Ils payent-tu bien? Des très bons amis dont faut pas trop que tu parles. OK. Je comprends. Mais quoi que... T'as-tu du trouble avec la mafia? Jamais. Jamais. Moi, ils me mettent l'autre graisse, moi. Moi, à base, c'était, je faisais des jokes pour faire de la, des jokes pour un tel ou un tel. Ça me dérange pas trop, moi. T'en regardes pas ça, toi, les métiers. T'en regardes pas ça. Moi, voyons donc. Veux-tu chanter à leur mariage? C'est beau, un mariage. C'est vrai que c'est beau, un mariage. Ouais. T'es-tu déjà allé d'un mariage? C'est laid. Jamais. Jamais. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. Ben oui. C'est ça. C'est un milieu. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé. Un moment donné, j'avais de la misère avec mon gérant, Pierre Essun, que c'était un esti de trou de cul, ça. Pierre Essun, ça fait 70 ans que c'est mon gérant. 70 ans que c'est un esti de trou de cul. À un moment donné, moi, je jouais... À l'époque, j'étais aussi dormant dans un club. Puis à un moment donné, Pierre Essun, il débarque au club. Puis il y a le propriétaire du club, il a dit, « C'est lui, Pierre Essun, il faudrait qu'on se parle. » Il a amené Pierre Essun dans une pièce, ils ont jasé un peu, Pierre Essun a fini par sortir, puis il m'a dit, bon, OK, à partir de maintenant, au lieu de te prendre 80%, moi, t'en prends 70. Il te prend 70%? Oui, t'es un asti trou de cul. Je te l'ai dit. C'est un asti trou. Il m'a fait fourrer long comme le bras. Ça fait 70 ans. Il est encore vivant, cette calice-là. Mais pourquoi t'es encore avec? Ben parce qu'un gérant, c'était la vie à la mort. Je sais pas, ça. Oui. C'est comme un mariage. Non, ça, non, ben non, oui. Non. Aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, ça change de gérant. Il te fait une grimace, change de gérant, m'en va ailleurs. Pas de même, là. Un gérant, c'est à la vie, à la mort. C'est comme ça. C'est pas comme... 70%, c'est inacceptable. Je sais, c'est un esti de trou de cul. C'est un esti de trou de cul, Pierre Essun. Il a rien qui fera pas. Il vendrait sa mère. Puis tu veux pas changer de... Jamais. Jamais? Jamais. Lié par le sang. Lié par le sang, c'est juste on un contrat. Fait avec un couteau. Vous l'avez fait avec un couteau? Ben oui, lui, c'était le même qu'on signait dans le temps, là. C'était pas... on signait pas à cette heure que vous me faites avec vos bouts de papier. Il a signé sur un papier. D'autres, in the flesh. Fait que, attends, time out. Oui. T'es lié avec un homme d'affaires. Oui. Mais il y a aucune paperasse, fait qu'il y a rien. Tu faisais pas de contrat. Non, par le sang. C'est un bien meilleur contrat. Je t'entends, hey, mais... Le Christ, hein? Quand il a dit ceci est mon vin, buvez-le, il a pas dit signé ici, nous serons liés légalement, là. Il a dit ceci est mon sang. C'est le sang du Christ. Mais même affaire. Pense... Mais moi, j'ai Pierre Essun, c'est pas le Christ, c'est un vieux Christ. Je suis un peu mal à l'aise, là, mais oui. Je pense que tu t'es fait manipuler. Ben oui. Il y a rien qui te lie contractuellement à cet homme. Aujourd'hui, tu peux décider de plus donner 70% de ton argent à cet homme-là, puis il n'y a rien qui te lie à lui. Tu n'as pas de contrat. Tu es juste. Le sang. Je t'entends, le sang. Mais. Faites plus ça des packs de sang, Star. Non, fais plus ça. Ça. Moi, je pense quand juste pour être arrivé, les packs de sang, ça finit. En fait, non, c'est pire. Mais. Je préfère un pack de sang avec Paul Harrison qu'un deal avec juste pour rire. Oh, okay. À choisir, là. Tabarnak. À choisir. Tabarnak.